Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je vais vous parler du doute. Alors c'est une notion qu'on voit plutôt de façon négative et pourtant, eh ben, elle n'est pas tant que ça. Alors j'aimerais vous la faire découvrir d'une façon différente, que vous la voyez sous un nouvel angle. Je suis donc Christine, je suis entrepreneure en développement personnel et professionnel. Je vous accompagne sur votre chemin de l'épanouissement pour que vous puissiez oser briller et surtout vous libérer de vos chaînes émotionnelles. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ce podcast vous sera utile. N'hésitez pas par la suite à commenter, à laisser vos impressions pour lui donner encore plus de matière. Échanger, ça permet vraiment d'évoluer. Alors, qu'est-ce que le doute ? Le doute, c'est être incertain, c'est hésiter. Hésiter à dire oui, hésiter à dire non, hésiter à quelle direction je vais prendre, hésiter à quoi faire. Et est-ce que si je dis oui, je ne me trompe pas? Mais est-ce que si je dis non, et ben là je ne me trompe pas aussi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc le doute, c'est l'incertitude. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et lorsqu'on doute, en fait, on a peur des conséquences. Si je dis oui, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si je dis non, qu'est-ce qui va m'arriver? On a peur de se tromper, en fait, tout simplement. On a peur. C'est de la peur derrière le doute. Alors ce doute va devenir déroutant, éprouvant, déboussolant et épuisant. Trop douter, mal douter, va nous épuiser, va pomper notre énergie. Oui, vous avez bien entendu, il y a des doutes mal utilisés. Donc c'est qu'il existe des doutes bien utilisés. Et pour moi, je pense que le doute est un cadeau, si on l'utilise bien. Ça permet de remettre en question nos croyances que l'on connaît depuis tant d'années et qu'on prend pour vérité. Si on ne regarde pas à côté, eh bien on va la suivre cette vérité. Et pourtant, est-ce que cette vérité est vraiment juste ? Si on ne doute pas, on va la suivre. La mettre en doute, c'est la remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. On va juste peser le pour ou le contre, voir si c'est en alignement avec nos valeurs ou avec nos besoins. Donc vous voyez, le doute, en fait, ça permet d'avoir le choix. On peut choisir si cette croyance est bonne pour nous, ou si elle est fausse. En fait, on va au-delà des croyances limitantes. Oui, vraiment des croyances qui peuvent nous limiter. Si on ne les remet jamais en question, eh bien, on suit. Et ça peut donc nous enchaîner dans une direction, eh bien, en fait, qui ne nous correspond pas. Alors, il y a quelques années, je doutais mal. Je l'utilisais mal. Je doutais énormément de moi-même parce que je n'avais pas confiance en moi. Ah oui, je doutais de moi. Par contre, je ne doutais pas des autres. Ce qu'on me disait, je le prenais pour comptant. Et ça devenait des croyances, que je vous dirais apparaît limitantes, parce que tout ce que les autres me disaient était vérité. Si on me disait, Christine, il faut que tu ailles à droite, eh bien j'allais à droite. Ou si on me disait, ah non, 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 Christine, maintenant tu vas à gauche, eh bien je changeais aussi vite d'opinion, j'allais à gauche. Alors, pas par faiblesse, mais c'est parce que, pour moi, les autres ne pouvaient pas me mentir. Donc, je ne mettais pas en cause, je ne remettais pas en cause leurs paroles. Et de ce fait, eh bien, j'ai souvent suivi des chemins qui n'étaient pas faits pour moi, qui étaient faits, oui, pour les autres, parce que ça allait avec leur valeur, mais ça n'allait pas avec moi. Et ben, au bout d'un moment, je l'ai compris. Et j'ai commencé à remettre en cause, à douter de ce que les autres me disent. Alors je l'avoue, ça a été quand même un peu perturbant de me dire que, en fait, tout le monde ne disait pas la vérité. Ça a été perturbant, oui. Mais après, je me suis dit, bon, bah, c'est leur vérité à eux, c'est pas la mienne, c'est pas grave. Moi, je vais peser le pour, le contre. Est-ce que ça me correspond? Et en faisant ça, eh bien, j'ai commencé à suivre
un chemin qui était mon chemin. Donc, comme je vous l'ai dit, le doute, ça va permettre de casser ces croyances limitantes. On a tous dans notre société des croyances qui nous limitent. Par exemple, toutes les superstitions. Le chat noir. Le chat noir ne porte pas malheur. C'était juste des superstitions qu'on a prises pour vérité. Passer sous une échelle ou même ouvrir un parapluie dans une maison, ça ne va pas porter malheur. Mais on y a cru et on y croit encore. Je vous l'avoue, moi je passe rarement sous une échelle, pas parce que ça va porter malheur, mais j'ai plus peur que quelque chose me tombe sur la tête s'il y a quelque chose posé sur l'échelle ou sur l'échafaudage. Donc c'est important de remettre en question ces superstitions, ce qu'on entend à la télé aussi. On nous dit beaucoup de choses, mais est-ce que tout est vérité ? Alors, je ne vais pas faire un débat politique, ni social, mais voilà, il faut savoir remettre en question ce qu'on entend. Douter, ça permet aussi de garder l'esprit ouvert. On va pouvoir voir de nouvelles possibilités et aussi découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Si certaines personnes n'avaient pas douté des croyances culturelles, sociales et religieuses, nous n'aurions pas évolué. Au Moyen Âge, on pensait que la Terre était plate. Certaines personnes ont douté et ont démontré que la Terre était ronde. Et maintenant, grâce aux satellites, on sait vraiment qu'elle est ronde. Nos conditions de femmes n'auraient pas évolué, la science n'aurait pas évolué. C'est grâce au doute que tout ça a pu évoluer. Miquel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, a écrit après un deuxième livre avec le 5e accord qui est le doute. Lui-même donc parle du doute et dit qu'il faut remettre en question chaque chose qu'on nous dit, remettre en question chaque chose que nous pensons nous-mêmes, qu'il faut douter de tout. Alors bien sûr, douter de tout, ça ne veut pas dire que ce que dit l'autre en face est totalement faux ou que moi, ce que je pense est totalement faux parce que je le remets en question. Non, c'est juste peser le pour, le contre et voir si c'est en alignement avec mes valeurs et ne pas prendre tout pour vérité. Ainsi, ça nous offre la possibilité de choisir. Est-ce que ce que cette personne me dit coïncide avec mes valeurs ou non ? Est-ce que ce que je pensais depuis des années, en fait, en doutant de ce que je pensais, c'était pas du tout ça. Alors il faut que je change, je vais aller dans une autre direction. Mais en fait, non, peut-être que ce que je pensais, oui, ça me correspond. Alors je continue dans cette direction. Donc vous voyez, douter, ça permet d'aller dans la direction qu'on a envie d'aller. Ça permet d'évoluer. Ça permet de passer à l'action. Donc vous voyez, le doute, pour résumer, ça permet de remettre en question, d'offrir le choix de décider, de passer à l'action, de garder l'esprit ouvert et surtout d'évoluer. Donc, comme je vous l'ai dit, douter, ça permet de choisir. Souvent, on pense que le doute est négatif parce qu'on ne choisit pas entre le oui ou le non, entre la droite et la gauche. On doute trop, on n'a plus confiance en soi. Donc là, ce doute va paralyser. On va rien faire, on va procrastiner, on va rester là où on en est. Au lieu de choisir, on va laisser les autres choisir pour nous. On va laisser nos croyances limitantes choisir pour nous. Et là, c'est le doute que l'on connaît le plus, le doute négatif. Alors, comment bien utiliser le doute ? Comment savoir si ce doute va être positif pour nous ? Déjà, il faut se poser. On prend du recul et on se demande est-ce que ce doute est justifié. Puis on analyse. On va analyser les deux composantes, le oui, le non. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Pourquoi est-ce que le oui serait plus en accord avec moi ? Ou pourquoi le non serait plus en accord avec moi ? Et l'on ressent en soi la réponse. Qu'est-ce que mon corps va dire ? Qu'est-ce que mon mental va dire ? Qu'est-ce qui va plus vibrer ? Est-ce que ça va être le oui ?
ou est-ce que ça va être le non? Et surtout, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir décider. Parce que si on n'a pas confiance, eh bien, on va aller dans ce doute, rester dans ce doute, jamais prendre de décision, et là, ça va nous paralyser. Donc, en ayant confiance en soi, le doute va être positif parce qu'on va prendre la décision de dire « oui, ça c'est bon, non, ça c'est pas en accord avec mes valeurs ». Et comme ça, vous allez pouvoir choisir ce qui vous correspond le plus et pouvoir évoluer de la meilleure façon. Plus d'une fois où j'étais sûre de moi, sûre que ce que je pensais était vérité, et je me suis rendu compte, et ben en fait, pas du tout. Et heureusement, tout ça, c'est parce que j'ai douté. Et ça, ça m'a permis d'évoluer et d'aller dans un chemin qui me correspondait. Et qui me correspond maintenant. Alors, doutez de tout. Remettez tout en question. Et choisissez ce qui est le bon pour vous. Ce qu'on vous a appris, ce sont que les vérités des autres. Choisissez votre vérité. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous sera utile. Nous nous retrouvons dans 15 jours. J'ai bien hâte de vous trouver un autre sujet de podcast. Je vous dis belle journée, à bientôt, bisous.